Mes chers amis, ravi de vous retrouver ce soir. Ça fait un moment que je n'ai pas fait euh, une émission du type décryptage ou alors euh, actualité, information. Voilà, je l'ai appelé journal. Euh, voilà, on va essayer. Je vais essayer de faire un format le plus court possible, le plus varié possible. Toujours, comme depuis toujours, bénévolement et euh, sans aucun... Euh, euh, sans aucun essai d'en tirer profit. Là, vous voyez le logo, euh, j'y touche, euh, j euh, je ne touche rien de chez Nike. Et si jamais un jour j'étais contacté, je vous informerai avant même de négocier quoi que ce soit. Ce serait une bénédiction pour pouvoir donc vous offrir ce travail sans vous demander euh, votre aide. D'ailleurs, là, j'ai un bol gratuit de chez Burger King. N'allez pas croire euh, si vous me voyez boire dedans que je, je reçois de l'argent de Burger King. Alors, ceci étant dit, euh, vous demandez certainement pour mes lunettes. Eh bien Je vais vous expliquer. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller en acheter, vous aussi. C'est des lunettes anti-UV et surtout anti-lumière bleue. La lumière bleue est présente sur tous les écrans aujourd'hui euh, et aussi sur chez vous, à l'extérieur, dans les pharmacies, dans les centres commerciaux, à votre travail. C'est toutes les lampes dites euh, économiques hein, qui transmettent euh, cette lumière bleue. Donc je vous invite vivement. À aller acquérir la même chose. Il y en a sans correction et il y en a simplement sans correction, euh, avec correction et sans correction. Voilà. Là, euh, j'ai pris sans correction. Euh, vous les rajoutez euh, par dessus si vous portez des lentilles ou si vous portez rien du tout. Vous les mettez par dessus. Euh, C'est très important, les amis. C'est extrêmement important. Parce que euh, <coughs> tout le monde se méfie des ondes, mais euh, la lumière bleue comporte des ondes. Euh, la lumière bleue, comme toutes les lumières, peuvent, je ne dis pas transmettre, peuvent transmettre de l'information. C'est d'ailleurs le principe de la fibre optique et... plein d'autres principes euh, du LIFI. Vous, en, vous avez jamais entendu parler du Lifi. Contrairement au Wi-Fi, euh, celui-ci euh, fonctionne par des, euh, des variations extrêmement rapides de, de lumière, invisibles à l'œil nu, à hein, notre œil d'être humain à nous. Euh, D'ailleurs, c'était le projet de d'équiper euh, en Lifi les grandes villes. Euh, Internet serait transmis par les, tout ce qui est lampadaire, réverbère, tout ce qui est éclairage public. Pour nous, euh, ce serait donc euh, totalement euh, invisible, encore une fois, euh, de façon visuelle. Mais nos appareils auront Internet partout. Euh, voilà, c'était en projet, mais c'était il y a longtemps et encore une fois, nous ne savons pas. Là on parle de technologies civiles, nous ne savons pas ce qu'ils feront avec les technologies militaires. Enfin moi j'ai une petite idée. Il euh, n'y a qu'à voir les chemtrades, hein. il se passe beaucoup de choses avec les chemtrades. Alors il y a mille et une raisons, hein. peut-être un peu moins, mais il y a toujours plusieurs raisons. Hein. Et euh, l'une de ces raisons, c'est récupérer euh, l'énergie solaire. Euh... Après, pour en faire quoi Là est toute la question. Euh, donc je vous invite à vous équiper de ce type de lunettes. Vous les trouvez chez, euh, à mon avis, tous les opticiens. C'est l'équivalent de 40 euros. 39 euros et quelques 40 euros. S'il y a plusieurs couleurs, bon bah moi j'ai pris les noirs. Voilà, si vous suivez mes conseils, pour le, les autres, les trolls ou ceux qui... Ne savent que être contre tout. C'est pas la peine de décrire ou de vous manifester, ça sert à rien. Allez voir ailleurs. Vous trouverez euh, des gens qui pensent comme vous et comme la pensée dominante. Ne perdez pas de temps avec moi parce que moi je vous bloquerai. Voilà. Alors euh. Euh, oui. Alors je voulais vous dire ce qu'on va essayer de faire c'est je vais je veux bien répondre tous les jours à une question et euh, si jamais vous arrivez à vous accorder sur une question si je vois la même question répétée trois fois si je vois trois fois la même question ou le même type de, de, de sujet hein, qui a été posé euh, j'essaierai d'y répondre à la fin de manière brève et si je ne connais pas la réponse, parce que je ne sais pas tout sur tout, eh bien, je vous le dirai et je ferai des recherches pour donner la réponse euh, le lendemain ou l'après-lendemain. Ou le surlendemain plutôt. Donc voilà, si vous voulez poser des questions euh, pendant la soirée, n'hésitez pas. Si je vois une répétition du même thème trois fois, à ce moment-là, je le prendrai en considération. Mais je ne pourrai pas prendre en charge les autres questions. Euh, donc je vais vous faire... Je vais, on va parler du, du... De la fin du grand débat. Qui était plutôt un non-débat. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu cet homme... Donc, euh... Edouard Filou, on a vu Edouard Filou, parce que c'est un grand filou. Il se débrouille pour à chaque fois, il nous a habitués à ces fameux euh, lapsus. Hein. Et du coup, il nous en sort un à chaque fois, ce grand filou, Edouard Filou. Et alors il a commencé sa son petit numéro par euh, se dire dégoûté euh, enfin dégoûté c'est mon mot à moi mais il s'est dit déçu de ne pas voir euh, certains thèmes qui ont euh, ressortir donc des, euh, des doléances et alors là vous allez vous marrer parce que euh, ces thèmes-là, c'est effectivement ce que euh, les différents gouvernements et les différents présidents simulent, hein, simulent, j'insiste sur le mot, simulent traiter depuis plusieurs décennies. Bon, bah, je, vous, je vous le dis tout de suite, hein, le, le thème cher à son cœur, euh, c'est le thème des femmes, aider les femmes. Je ne sais pas pourquoi ils sont obsédés par cette histoire de pension que les méchants hommes milliardaires ne versent pas, pourquoi ils ne mettent pas en place un fonds pour justement verser une pension aux femmes et éventuellement une pension aux hommes, ceux qui ont la chance d'avoir la garde des enfants, ou une pension divisée par deux lorsqu'il y a, encore une fois, le miracle de la garde alternée, je ne sais pas. Alors, je sais en fait, hein, c'est toujours pour installer les divisions, et hein, là la, la plus grande des divisions c'est assez simple, hein. c'est extrêmement simple, la première des divisions c'est la division éternelle des hommes et des femmes. Donc voilà, on, on énerve les femmes en permanence en leur faisant croire que tout leur malheur proviennent de leurs ex ou futurs ex ou de manière générale des hommes et vice versa effectivement les hommes qui voient pas leurs enfants les hommes qui sont qui vivent des malheurs et qui voient que les merdias sont obsédés uniquement par la euh, question des femmes que il y a une, toujours un ministère d'égalité femmes euh, femmes -femme, qui est monopolisé bizarrement uniquement par les femmes euh, bah ça fait l'effet euh, le même effet ça va énerver les hommes et donc c'est le but de euh, du gouvernement des gouvernements je vous le rappelle euh, que euh, la stratégie est vieille comme le monde c'est diviser pour mieux régner euh, alors edouard filou euh, a été interrompu par on a entendu le... Une voix s'élevait en disant, euh, alors on entend mal, mais on a compris que cet homme, un courageux homme, un courageux certainement, Gilet Jaune, on ne le connaît pas pour l'instant, un courageux Gaulois, comme moi, Medim Nawar, comme je vous invite à, à, à devenir Gaulois, peu importe votre appartenance, peu importe votre pays, vous pouvez être des Gaulois en Algérie actuellement. Bravo aux Algériens pour tout ce qu'ils font. Euh, eh bien, il, en gros, il a, euh, il a crié comme il a pu, vous serez tous jugés. Hein et euh, Edouard Filou alors, a continué son petit numéro en, en rappelant que tout le monde a pu s'exprimer, que c'est génial de pouvoir s'exprimer et d'aborder n'importe quel thème sans aucun tabou. Mais bon, c'est quand même Edouard Filou. Alors, c'est les mêmes, hein. Edouard Filou euh, sert la même soupe que Emmanuel Macrancan, et cette soupe a été bien servie, vous vous rappelez, par Bernard Tapin, lorsqu'il a voulu nous faire croire qu'il était gilet jaune, qu'il était pauvre parmi les pauvres, ardent défenseur des femmes et des pensions non versées aux femmes. Enfin, J'espère qu'il va croupir pour une fois vraiment en prison. Euh, Bernard Tapin, encore une fois, s'il se fait enfermer, entraînera dans sa chute un certain Sarkozy et peut-être même une certaine Christine Lagarde. Euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui vont dans le bon sens. Alors les chemtrails ont repris, je vous en ai informé. Euh, il n'empêche qu'il euh, y a certaines condamnations qui sont très encourageantes. Comme par exemple euh, l'emprisonnement, la condamnation et l'emprisonnement de ce euh, Christian Quesada qui dé, dé, détient, détenait des images euh, pédophiles euh, d'enfants de tous âges, mais surtout de moins de 10 ans. Comme euh, on voit Bernard Tapin qui pourrait être enfermé dans les jours qui viennent. Comme on voit, là j'en ai pas parlé souvent, comme on voit euh, ce qui se passe avec Carlos euh, Rosen, euh, et on découvre que sa femme, sa femme c'est assez... Euh, alors tous les présidents euh, de, des, des grands groupes automobiles français, c'est quand même très frappant. Euh, on a deux Carlos, c'est assez rare comme nom. Hein. Et puis Carlos, sa femme, s'appelle Carole. Voilà. Carole Ross. Euh, donc voilà, on apprend que Carlos a enregistré un message pour l'instant gardé secret par ses avocats et sa femme Carole, dans lequel il mentionne les coupables d'après lui, ce qui est génial, hein, qu'il tombe et qu'il entraîne dans sa chute. Euh, ses petits copains et on apprend aussi que euh, cette Carole Rosen euh, elle a été convoquée par la justice japonaise et euh, elle a mis les voiles alors ça c'est génial hein quand ça se produit en France quelqu'un qui met les voiles euh, même s'il reste en France euh, t'as toutes les polices du pays qui se mettent à sa recherche il n'y a pas de négociation ça me fait penser souvent, euh, là on n'en voit plus tellement, mais sous Hollande on voyait que ça tous les jours, les alertes enlèvements, qui en réalité n'étaient pas des enlèvements, juste des pères désespérés qui voulaient passer euh, une demi-journée avec leurs enfants. Euh, et alors là, on a les médias, bien entendu, qui sortent les mouchoirs, non seulement pour ce voleur, manipulateur, euh, Carlos Ghosn. Mais en plus, euh, pour nous apitoyer sur sa femme Carole sur Gone, sur laquelle il a mis euh, une grande partie euh, de sa richesse, euh, sa richesse euh, truquée, cachée aux différents fiscs, ses pots de vin certainement. Et, euh, et donc, Carole Ghosn, euh, parce qu'il faut suivre, hein, a été aidée dans sa fuite par l'ambassade de France. Ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal. On viole les droits euh, d'un autre pays, on viole les droits, le droit international. Tranquille, ça passe à la télé comme une lettre à la poste. Et en même les merdias essayent de faire en sorte qu'on se range plutôt de ce couple Ghosn et de... Alors, Carole Ghosn a une tribune, elle peut s'exprimer et elle appelle Macron à l'aide et elle nous appelle, nous, les Français, à l'aide, bien entendu. Ils n'ont pas de quoi se payer des avocats, des cabinets d'avocats. Ils sont vraiment dans le caca jusqu'au cou, ces gens-là. Il va falloir que les Gilets jaunes... Face les faux gilets jaunes, face une cagnotte pour Carlos Ghosn et, et Carole Ghosn, la, la, la fuyarde. C'est absolument euh, incroyable et insensé. On n'est plus dans un monde sérieux, ça, cela fait depuis très très longtemps. Euh, donc voilà, ça c'était. Le mot sur les, euh, les gones, les rosses. Et donc, euh, voilà, ceci est positif parce que euh, ça va entraîner d'autres révélations en cascade, d'autres arrestations. Donc c'est très positif. Et tout ce que nous vivons, les amis, hein, c'est la suite de la défaite euh, de l'OTAN euh, en Syrie. D'ailleurs, je vous dirai un mot tout à l'heure. Par la suite, il y a eu une conférence de presse à Moscou donc, entre le gagnant, le président euh, Poutine, et un de ses convertis, le président Erdogan. On en parlera juste après. Euh, alors, le, le sujet euh, de la manipulation des femmes pour les montrer les monter contre les hommes et euh, du coup euh, de créer la même animosité chez les hommes, euh, donc de créer la division entre hommes et femmes finalement, femmes et hommes. Euh, bah sur ce sujet, il n'y a pas que Bernard Tapin, il hein, y a, euh, a Jean-Luc euh, Mélenchon Chinchamp, qui adore à ce sujet, euh, François asselineau Nignon, il adore aussi ce sujet. Bon je vous passe les, les précédents hein, mais il y a, vous avez beaucoup d'autres noms que vous connaissez euh, j'ai pas besoin de vous les citer tous hein, vous connaissez euh, le pire de tout euh, euh, François Hollande Vous connaissez euh, Laurence Rossignol vous connaissez Marlène Schiappa Caca euh, là où elle sort du lot, vraiment. Alors, il faut. Je suis là pour décrypter. Hein. Je vous ai expliqué ma stratégie de vote, elle est claire. Hein. Je vais vous la rappeler à la fin. Il faut qu'on vote la mort dans l'âme pour Macron et son parti, la République en panne. Euh, mais en revanche, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que euh, Marine Le Pen. Euh, n'est jamais rentrée dans ce jeu euh, euh, de défense acharnée euh, des femmes contre les hommes. Il faut vraiment euh, avoir le courage de le dire et je le dis. Euh, pendant toute la campagne présidentielle, à chaque fois on l'a entraînée sur ce terrain, euh, elle n'a pas joué ce jeu-là. D'ailleurs, ça me surprend que tous les féministes et tous les défenseurs des femmes euh, n'ont pas essayé de défendre la seule femme euh, donc euh, présente euh, lors des, des dernières présidentielles ou en tout cas au deuxième tour face à macron c'est euh, extrêmement surprenant bref alors je vais passer euh... On va passer donc à ce que je vous ai dit. Euh, on va regarder un bout que je, veux con, je vous commenterai bien entendu. Euh, très importante conférence de presse donc à Moscou. Euh, ça s'est passé il y a quelques minutes. Hein. Donc euh, entre Poutine et Erdogan. On va en, en regarder allez, un petit quart d'heure c'est très important voilà on va regarder un petit quart d'heure

signature d'un accord en matière d'investissement à montant de 900 millions d'euros la cérémonie de signature est achevée Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président Erdogan, chers amis, nous sommes heureux d'accueillir le Président turc ici à Moscou et nous soutenons euh, la régularité de nos contacts et aujourd'hui nous avons eu donc une nouvelle euh, réunion du Conseil de coopération de haut niveau en petit comité avec les dirigeants des principaux ministères et agences de l'État et des grandes sociétés des deux pays. Avec M. Erdogan, nous avons également rencontré des représentants des milieux d'affaires russes et turcs et au cours de nos discussions, nous avons examiné en détail L'ensemble des aspects de la coopération entre nos deux pays et évidemment euh, le, la dimension des investissements a retenu en particulier notre attention, d'autant plus qu'elle est en croissance en volume et en montant. Et l'année dernière, le volume de nos échanges a augmenté de 16 pour atteindre à 26 milliards de dollars. Et, et au niveau des les investissements, ont, ils sont estimés à environ 20 milliards de dollars. Euh, cela concerne au premier chef l'activité de la Commission euh, internationale entre nos deux pays et euh, les domaines qui sont, conserv, qui sont concernés par cette amélioration des échanges et des investissements euh, concerne euh, notamment euh, les PME et un certain nombre de projets. Euh, qui, euh, qui sont soutenus par euh, le Fonds d'investissement direct de Russie et la société d'investissement turque à hauteur d'un milliard de dollars. Et je pense qu'avec un tel capital social, euh, cette structure pourra euh, effectivement encourager un certain nombre de projets. Notre coopération euh, concerne aussi le domaine de l'énergie et, comme vous le savez, Rosatom est impliqué euh, dans la, la construction de la centrale nucléaire d'Akouyou avec quatre blocs de euh, 1200 MW au total. Et tout cela va encourager euh, les célébrations, euh, accompagner les célébrations du centième anniversaire de la République de Turquie. Et nous avons ces jours-ci justement la poursuite de la construction du gazoduc au niveau du de, de territoire, de, c'est-à-dire sur la surface euh, et pas seulement sur les fonds marais, marins. Euh, il s'agit aussi euh, de la poursuite de la construction du nouveau tronçon du, de South Stream. South Stream. Et Là, les standards et les exigences techniques et écologiques sont particulièrement haut placés et il y a notamment des considérations de sécurité ici. C'est un moyen de renforcer notre euh, coopération dans d'autres domaines, euh, qu'il s'agisse de l'investissement, de l'agriculture, de la construction automobile. Et tout cela, nous en avons parlé en détail aujourd'hui. Nous avons discuté avec des représentants des milieux d'affaires, comme je l'ai déjà dit, et nous avons euh, euh, écouté un certain nombre de propositions, d'initiatives. Notre coopération comprend également la dimension euh, technico-militaire. Euh, il s'agit bien évidemment d'abord de la euh, fourniture à la Turquie de systèmes de missiles antiaériens S-400. Triomphe, mais aussi d'autres aspects de la coopération militaire. Alors là, on s'arrête un instant, les amis. On va euh, développer, parce que c'est important l'aspect militaire. Euh, alors, tout d'abord, euh, vous remarquez le haut niveau. Hein, Poutine qui s'exprime, euh, c'est quand même pas euh, Hollande-Grolande. Euh, François Groland, ni Édouard euh, euh, Filou, ni Marine Le euh, euh, c'est euh, du haut niveau. Hein. Euh, deuxièmement, vous avez compris que là, il s'agit euh, de reconstruire la Syrie et, et pas que la Syrie, de partenariat. Euh, de, de léoduc, de gazoduc euh, donc, qui vont transiter par la Turquie mais surtout par la Syrie euh, événement auquel, bien entendu je n'ai pas vous fait besoin de vous le confirmer la France est totalement exclue la France a fait un mal choisi sans camp elle aurait dû ne choisir aucun camp en fait hein. la France a choisi le camp euh, donc de... Contre euh, la Russie et ses alliés, c'était le mauvais camp. Le mieux, ça aurait été de rester la France de tout d'avant. Il y a très longtemps, la France neutre, la France arbitre, la France porteuse de vérité, de droits de l'homme. Mais bon, la France de Sarkozy, la France de Hollande, un petit peu aujourd'hui la France de Macron. Euh, a fait le mauvais choix et est en train de nous emmener droit vers le chaos. Si ce n'est pas déjà fait. Euh, Hollande n'a pas cessé avec ses provocations, Grolande. Il a refusé de livrer des frégates qui pourtant euh, ont été euh, euh, signées, réglées, confirmées, euh, donc à la Russie. Il a fait un tour de passe-passe pour. Les refiler euh, aux sous-fifres égyptiens. Euh, C'est catastrophique hein, ce que les dirigeants français ont fait dur durant ces dernières années. C'est sûr qu'on est en, vraiment en très mauvaise posture et le peuple ne peut pas dire je ne suis pas responsable. Bien entendu que nous sommes responsables de nos élus et si vous en voulez plus, il va falloir. Euh, Changer de système, il va falloir ne plus voter pour ces gens-là. Il va falloir avoir nos propres candidats. Bien sûr que nous sommes, nous en sommes responsables. Sinon, sortez tous en même temps avec des gilets jaunes et dites stop à la guerre, je sais pas, faites quelque chose, vous êtes tous passifs. Euh, donc, euh, la France, bien entendu, est exclue de toute euh, négociation. Au politique sur l'avenir de la Syrie, c'est absolument désastreux, euh, ça c'est, j'ai jamais produit de mémoire par le passé, la France exclue d'un avenir politique d'une région, de parler, c'est absolument, c'est une nouveauté hein, dans l'histoire de la France, euh, et bien, bien entendu de tout ce qui est contrats euh, commerciaux, économiques, c'est sûr que la région là-bas, en tout cas la Syrie, est très importante. C'est l'ancienne roue de la soie, mais ça n'a pas beaucoup changé. C'est absolument désastreux pour notre avenir d'avoir choisi un camp, et en tout cas le mauvais camp. La France fait partie des perdants. La France est salie parce que les preuves sont accablantes de l'implication française dans l'armement et le soutien de, euh, de groupes terroristes affiliés directement ou indirectement à Daech. La France est sans équivoque coupable d'avoir euh, armé euh, les Kurdes. Les Kurdes, il y a plusieurs tendances. Il y a aussi euh, des groupes qui sont euh, identifiés comme étant des groupes terroristes par la Turquie, comme le PKK, je veux dire. C'est quoi euh, ces dirigeants français qui, euh, qui veulent que les autres pays euh, ne s'insurgent pas dans les affaires internes, qui veulent que les autres pays n'aident pas euh, les groupes séparatistes français qui sont identifiés comme terroristes Il y en a beaucoup. Hein. Regardez tous les deux jours en, en France, on dissout des associations. Mais qui dans le même temps ne respectent pas ce que euh, décident les autres pays justement. Soit par exemple le Japon qui veut entendre euh, Carole Gunn, on va plutôt l'aider à fuir, ce qui ne serait pas acte acceptable dans l'autre sens. Soit en armant euh, des groupes que certains pays euh, jugent et cataloguent comme étant terroristes et qui, après il faut voir... Dans le détail, mais plusieurs attentats ont été attribués euh, sur le sol turc ont été attribués par la Turquie au PKK. Hein quest dans quelle euh, galère, dans quel euh, désastre nous ont foutu nos dirigeants français La suite est à venir. Hein. Suivez, suivez dans les jours à venir, les mois à venir, ce qui va se passer. Ça va pas être beau à voir. Hein. On sera dans une position vraiment extrêmement euh, difficile. Euh, D'ailleurs, il y a une vidéo. J'ai regardé tout à l'heure sur YouTube, je n'arrive pas à monter à plus de 3 mois dans mon historique, alors que ça fait plus de 3 ans que euh, je mets des vidéos sur mon YouTube. Alors est-ce que c'est valable pour tout le monde ou c'est juste pour moi N'hésitez pas si vous avez mis des vidéos depuis très longtemps à vérifier comme moi. En tout cas, il y a une vidéo, je crois, justement, pour le coup, qui date d'il y a trois ans, qui est présente. Moi, j'arrive à la... Si je clique sur un lien, mais si en la cherchant, je la trouve pas. Mais si je clique sur un lien, elle est valable, euh, dans laquelle il y a euh, François Grolande qui s'exprime. Il était à Nice pour voir son père. Son père, entre parenthèses, s'est présenté dans les années 80 sous la bannière du Front National. Mais ça, bon, les Merdias jugent que ce n'est pas nécessaire de nous en informer. Euh, donc il était fier d'aller voir son père à Nice. Et puis, euh, comme il aime les caméras, les journalistes, euh, dans son euphorie, euh, il a dit euh, Oui, oui, euh, j'ai signé une nouvelle livraison d'armes euh, aux Kurdes, parce que les Kurdes sont bien. Donc voilà, y a, tout est là. Il n'y a pas besoin de chercher plus de preuves. Hein. Euh, alors revenons sur euh, ce qui a été dit, qui est très important. Alors je ne vais pas revenir dans le détail, mais uniquement sur l'aspect militaire qui est extrêmement important, les amis. Alors vous avez entendu comme moi que euh, Poutine donc euh, accepte enfin d'équiper la Turquie. Il euh, n'y a pas que la Turquie hein, qui est équipée. Mais d'équiper la Turquie des fameux S-400 Triomphe. Et là, il faut s'arrêter un instant pour comprendre ce que c'est, parce que là, euh, l'armement d'aujourd'hui, les amis, ce n'est plus l'armement de la Première Guerre mondiale, qui n'était plus l'armement de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la guerre ne se fera plus comme avant, de la manière que vous connaissez dans l'histoire. Ce ne sera pas des poilus au sol ou des fantassins. Et des avions bombardiers euh, euh, au ciel. Ah, non, il y a beaucoup de nouvelles armes de type extrêmement nouveau, euh, secrète, inconnue, comme les armes énergie euh, dirigée, qu'il va falloir développer dans un autre sujet, comme plein d'autres armes. et euh, donc, vu que tout devient extrêmement rapide parce que les avions de chasse et d'autres appareils euh, atteignent des vitesses extrêmement euh, incroyables pour le, 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 pour ce que on va dire, ce qu'on nous apprend, est, on, est, on est carrément dans certains films de science-fiction, vraiment, hein, comme je sais pas Matrix, Inception. C'est-à-dire que ça va tellement vite que on a des disparitions, des réapparitions. D'ailleurs, rien que franchir le mur du sang, euh, ce qui n'est pas extraordinaire, regardez si un jour vous, vous avez vu hein, déjà un chasseur euh, franchir le mur du sang. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On dirait qu'il qu rentre ou qu'il sort d'une porte. Euh, enfin, je ne sais pas, c'est comme dans les Star Trek, hein, les portes... Euh, multidimensionnel qu'ils appellent c'est ap absolument impressionnant hein. vous voyez carrément le cercle se former hein. et au niveau sonore c'est impressionnant la déflagration mais ça c'est euh, extrêmement faible hein. c'est euh, 1234,8 euh, km/h si mes souvenirs sont bons ce qui est extrêmement euh, faible par rapport aux vitesses que peuvent atteindre les, les différents MAC, ce qu'on appelle MAC, euh, extrêmement faibles. Mais après, là, on arrive à faire, à atteindre des vitesses phénoménales. Mais sauf que le, le problème euh, reste encore une fois le frottement dans l'air et donc l'appareil le, 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 qui chauffe et donc le, le pilote à l'intérieur qui se retrouve en danger. Nous, euh, voilà. Alors. Euh, du coup, ça devient extrêmement sophistiqué. Ça se passera pas comme vous, vous voyez dans les documentaires ça veut dire des avions qui s'attaquent les uns les autres et qu'on peut comme ça observer, etc. Non, ça sera d'un type tout à fait nouveau et d'ailleurs, c'est en cours depuis plusieurs années. C'est ce que moi j'ai appelé la guerre secrète. Je l'ai appelé la quatrième guerre mondiale qui est en cours, qui est en train de s'accélérer. La troisième guerre mondiale étant pour moi la guerre froide. Là, nous, nous vivons depuis plusieurs années la quatrième guerre mondiale qui est la guerre secrète. La guerre, on peut aussi dire, la guerre euh, contre ou par intelligence artificielle interposée. Hein, c est, c est, nous sommes en train de la vivre, cette guerre. Hein. Euh, sauf que là, ça va arriver, euh, ça va devenir visible, euh, surtout dans notre pays. Mais elle est, euh, elle a cours dans notre pays. Hein. Regardez les messages diffusés dans les merdias, etc. Vous vous rendez compte que cette guerre secrète, cette guerre invisible, elle existe depuis très longtemps. Euh, là, le contact est en train de se faire, le, 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 le franc contre franc, de francs. La guerre deviendra du coup euh, totalement déclarée sur le terrain euh, ukrainien l'otan avance de trop euh, donc en ukraine. la russie, bien entendu, de poutine, ne peut pas euh, rester euh, comme par le passé euh, stratège face à des attaques frontales parce que là où la russie de poutine a gagné euh, dans le conflit syrien, euh, c'est qu'ils connaissent les bonnes stratégies militaires, les stratégies chinoises particulièrement, enfin on va dire de manière générale asiatique, qui, euh, qui requiert de rester toujours, euh, encore une fois, euh, maître de soi de ses émotions, de ne pas céder euh, aux provocations, parce que la plupart des provocations sont des provocations sous faux drapeaux. Les guerres mondiales nous l'ont prouvé, mais visiblement pas certains. Et donc là où euh, la France masquait les avions israéliens euh, qui effectuaient des raids en Syrie, euh, comme pourquoi je dis masquer Parce que... Euh, les Russes ne voulant pas abattre les avions français pour pas justement euh, donner une raison pour le déclenchement de la guerre totale, eh bien, euh, les Russes abattent uniquement euh, les avions israéliens. Eh bien, la technique est que les avions israéliens passent sous couvert des avions français, se cachent derrière les avions français. Voilà, c'est pervers, hein, mais il y a eu beaucoup d'élites, militaires d'élite russes qui ont trouvé la mort dans ces, ces petits jeux franco-israéliens. Mais là où euh, la Russie de Poutine a été forte, c'est qu'elle euh, n'a jamais cédé à ses provocations. Ils ont enterré leur mort et ils savent qu'à la fin, un jour ou l'autre, ils vont gagner. Eh bah, ben, par contre, là. Là. Euh, donc euh, parlons justement de chasseurs ce qui nous est euh, révélé donc, il, y a, il y a ce qui nous est révélé et il y a bien entendu ce que euh, aucune armée au monde ne vous révélera et ne vendra à ses concurrents parce qu'elle a besoin d'avoir ses propres meilleures technologies au, au cas où un jour elle devait se défendre euh, parce que sinon euh, les acquéreurs connaîtraient la dernière technologie et la retourneraient donc contre le pays vendeur d'armes bon pour faire simple euh, les États-Unis pour parler d'eux euh, mettent sur le marché des technologies mais euh, pas euh, les plus puissantes d'ailleurs, euh, on a découvert récemment, il y a quelques mois, hein, je vous l'avais annoncé, que les chasseurs qui sont vendus euh, pire qu'une fortune à hein, des, des, des centaines de millions, euh, les chasseurs euh, américains euh, sont tous équipés de logiciels espions. Euh, donc, euh, parce que aujourd'hui, euh, l'armement, et d'abord, euh, euh, l'informatique qu'il contient, et donc l'intelligence artificielle qui va avec. Mais euh, le principal que, euh, que je voulais vous dire, c'est l'informatique qu'il contient, et donc tout ce qui est logiciel et programmation. Et donc, l'armée la, américaine vend un, un armement dans lequel elle incorpore des logiciels espions. C'est la même chose, vous avez ça chez vous c'est quand vous acquérez un windows, ben, vous, vous pouvez pas lutter contre ça. mais dans le noyau, vous êtes espionné sur tout ce que vous faites. voilà, vous ne pouvez pas échapper à ça. ou alors, il faut virer windows et mettre autre chose. vous ne pouvez pas y échapper. c'est dans le noyau. d'accord. Euh, donc, c'est la même chose qui, qui se produit avec l'armement américain. et du coup, Qu'est-ce qu'ils ont fait les États-Unis quand ça a été découvert ben, Ils ont proposé à leurs acheteurs, à leurs acquéreurs saoudiens et autres, euh, euh, d'enlever, de faire une, en quelque sorte une réparation, une mise à jour pour enlever ces logiciels espions, mais euh, très chèrement facturés. Ce qui peut dissuader certains pays. Euh, en tout cas, voilà, il faut le savoir qu'ils ont accepté. Et on ne sera jamais sûr qu'ils l'ont vraiment fait. Euh, C'est-à-dire que vous payez les appareils deux fois. Bon. Alors, sur ce qui est, euh, encore une fois, révélé au grand public, euh, on sait que le meilleur avion, euh, euh, on va dire, euh, opérationnel, actuellement, militaire, que les États-Unis États euh, vendent, veulent vendre dans le monde c'est le f35 d'accord le f35 qui connaît beaucoup de déboires euh, c'est une catastrophe euh, mais bon apparemment plusieurs pays euh, sont contentes et c'est vrai qu'il est très évolué niveau euh, technologique euh, sauf que euh, le f35 euh, euh, donc bien entendu, il équipe l'armée israélienne qui l'utilise beaucoup en Syrie et ailleurs, mais là on parle de Syrie, et en Syrie, les Syriens étaient incapables de les intercepter et de les abattre, euh, parce que les, 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 euh, peu de pays au monde ont la technologie nécessaire pour pouvoir les, interc les intercepter et les abattre. Bien entendu, euh, en, le meilleur des pays actuellement, la meilleure des superpuissances militaires actuellement qui arrivent à les intercepter, qui est justement dérangeante, c'est la Russie. La Russie donc, qui a développé plusieurs euh, générations de missiles qui peuvent absolument tout faire. Euh, anti-aérien, euh, anti-blindé. Et donc, ces missiles, c'est pourquoi j'ai fait toute cette explication, euh, c'est les S, les fameux S. Alors, il y a eu plusieurs générations. Là, euh, euh, en Syrie, il a été décidé de livrer des S-300 suite, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à une quinzaine de militaires de, de l'élite militaire. Euh, russes qui, qui, euh, qui ont trouvé la mort dans un petit jeu franco-israélien de cache-cache euh, et donc euh, la réponse de Poutine n'a pas été de bombarder la France euh, ou, ou Israël et eh bien elle a été de euh, d'équiper d'accepter enfin euh, la demande syrienne de les équiper en euh, missiles euh, anti-aérien S-300, ce qui bien entendu a fortement déplu à Netanyahu ou, ou de, euh, de l'extrême droite israélienne et de façon générale euh, à l'armée israélienne. Euh, mais bon, c'était ça. Hein. Le, Poutine avait accepté de ne pas le faire à condition de respecter certaines règles. Euh, et de respecter surtout une certaine neutralité dans ce conflit contre Daesh. Et voilà, il bon ben vaut mieux ça qu il, qu il, que de déclencher une guerre totale. Donc il a, à ce moment-là, euh, il a rendu œil pour œil et il a livré donc les S-300. Euh, alors du coup, attardons-nous un peu euh, sur les S-300. Donc euh, là, il y a des vidéos qui circulent, il y a des informations qui circulent, euh, donc qui prouvent que le S-300 euh, arrive très bien à abattre les F-35. Bien entendu, les Américains ne veulent absolument euh, pas valider cette information. D'ailleurs, dès que euh, Poutine a équipé euh, la Syrie de S-300, les Américains n'ont fait qu'une chose. C'est de demander à Israël et à l'armée israélienne de ne plus faire voler les F-35. Donc ils savent que derrière, ils n'ont pas envie que ça tourne sur toutes les chaînes du monde des F-35 abattus. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont dit attendez, on va faire une mise à jour, n'en faites pas voler pour l'instant euh, au-dessus de la Syrie. Donc au moins, euh, on va dire, la, la, la menace psychologique a fonctionné, ce qui est. On ne peut qu'applaudir euh, la, la décision de Poutine. Euh, donc voilà, il y a la nullité de, du F-35 euh, euh, et euh, carrément euh, 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 mise en lumière par les S-300 qui peuvent les intercepter et les abattre. Et alors là, retenez. On a parlé de S300, S300 et euh, Poutine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, accepte de livrer donc à la Turquie des S400 Triomphe et on va regarder ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une génération encore supérieure pour que vous compreniez un peu l'armement euh, russe où est-ce qu'il en est. Faut pas aller chercher loin, hein. on trouve sur Wikipédia donc le S400 Triomphe, système de défense anti-aérienne et anti-missile, ce qui peut aussi intercepter les missiles, pas uniquement les avions. Mobile russe, c'est tout le temps en mouvement. Hein, c'est ce type donc euh, pour les attaquer, euh, vous avez du mal parce qu'ils sont tout le temps en déplacement. Et alors regardez. Le S-400 Triomphe est la version évoluée donc, de ce qu'on disait là, du S-300, qui s'en différencie par l'adoption de systèmes modernisés. Écoutez bien, en 2015, ça commence à remonter. Hein. En 2015, le radar serait capable d'accrocher 80 cibles et de contrôler jusqu'à 160 missiles en même temps. Il possède en plus une capacité anti-missile c'est ce que je on a dit au début c'est un système anti-aérien de génération 4 donc là on va pas rentrer dans les détails mais vous pouvez aller le si vous êtes curieux allez voir de quoi est composé c'est tout un tout est lié vous avez des radars des missiles mais surtout 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 l'informatique embarquée l'intelligence artificielle etc euh... Voilà, donc euh, vous, vous avez compris, hein, là nous allons avoir une Turquie avec euh, un armement de bonne génération euh, russe, une Turquie donc euh, convertie euh, par le stratège, euh, le joueur d'échecs euh, Poutine, euh, Poutine vous rappelez-vous, là je regarde la date, rappelez-vous qui a sauvé hein, ce, ce, ce bienveillant Poutine que les merdias français salissent. Il a sauvé donc le président Erdogan d'un coup d'État euh, militaire dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Coup d'État qui est attribué à un certain opposant Gulen. Qui réside, devinez-le, vous le savez déjà peut-être. Il réside, il est protégé aux États-Unis. Bon, vous avez compris. Les États-Unis ont réussi euh, avec plusieurs pays, donc euh, y compris la France, mais euh, ils ont. Fait... Poutine était là pour les stopper en Syrie, en Turquie et dans d'autres pays. Là, regardez en Ukraine, ça a entraîné une coupure en deux. Donc on ne peut qu'encourager Poutine dans ce qu'il fait. Et, euh, et je là vous voyez le, pour ceux qui savent pas euh, sachez que c'est exceptionnel c'est jamais arrivé euh, l'armée russe Poutine a envoyé il y a de l'armée russe elle est présente ils ont débarqué il y a quelques jours il y a quelques quelques jours plus tôt. L'armée russe a débarqué au Venezuela, les amis. L'armée russe, c'est jamais arrivé. Hein. Il y a eu, euh, pendant la guerre froide, un petit peu Cuba, mais l'armée russe est au Venezuela, les amis. D'accord Il est fort à parier avec ce qui se passe euh, en Algérie. Euh, surtout que là, les Bouteflika et une, toute une armée de mercenaires sont en train de piller les réserves euh, d'or, les réserves de, 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 de métaux et de pierres précieuses, euh, y compris euh, des, euh, des mines euh, en, actuellement en exploitation. Euh, un peu comme ça s'est passé avec euh, Ben Ali en Tunisie lorsqu'il a pris la fuite. Et il n'est pas parti les mains vides, hein. il a pris le soin de vider euh, des tonnes, des centaines de tonnes d'or de la Banque centrale tunisienne. Il est parti avec en Arabie saoudite, euh, tranquille, euh, ni vu ni connu. Arabie saoudite, alliée euh, des États-Unis, bien entendu. Et donc là, la même chose est en train de se produire en Algérie. Euh, Bouteflika avec toute une armée de mercenaires, parce qu'effectivement, avec l'argent, euh, vous pouvez avoir la protection de n'importe qui. Euh, donc, se prépare à mettre les voiles avec euh, une grande partie de la richesse euh, du peuple algérien. Euh, donc, voilà, il est, dans les jours à venir, on pourrait voir un débarquement. On peut supposer que Poutine adopte la même stratégie qu'il est en train d'adopter partout, ça veut dire de s'interposer. Euh, vous savez qu'il a débarqué en Crimée. Euh, en ukraine et qu'il a euh, organisé euh, bon bah ben vite fait un espèce de ric euh, et donc pour euh, que la crimée euh, donc soit officiellement russe et elle a toujours été russe par le passé hein, À un certain moment à l'implosion la, de euh, l'ancienne euh, union euh, soviétique l'ukraine euh, faisant partie de l'Union soviétique, bon bah elle a gardé la, la Crimée mais c'était parce que tout allait bien aujourd'hui l'Ukraine est totalement euh, euh, on va dire retournée euh, manipulée convertie par les États-Unis et l'OTAN il est tout à fait normal que la Russie euh, reprenne euh, sa Crimée et c'est ce qui s'est passé euh donc voilà, euh, Poutine donc a aidé euh, Erdogan, il l'a sauvé du coup d'État. Forcément, euh, Erdogan n'est pas bête. Il a ouvert les yeux sur plusieurs sujets, particulièrement sur le double jeu des États-Unis, qui sont, à la base étaient supposés être alliés de la Turquie. Et donc euh, bravo pour Poutine encore sur ce coup. Euh, c'est la meilleure stratégie, c'est convertir euh, les euh, ennemis en neutres, les neutres en amis, et puis les amis renforcer les alliances. C'est ce qu'il fait depuis très longtemps. Euh, donc, euh, ceci concernant le S400 Triomphe. Et pour aller un peu plus loin, encore une fois, dans ce qui nous est révélé, hein, euh, que vous pouvez trouver tous. Hein, vous comprenez que on nous révèle pas tout. Euh, regardez, il n'y a pas que le S400 Triomphe. Voilà ce que la Russie nous révèle, qui est en sa possession. Alors là. Alors là on monte encore d'un cran le S400 les amis. Le S euh, pardon, le S500 le S500. Et donc pareil un hein, Wikipédia si vous êtes curieux, est un système de défense anti-aérienne et anti-balistique de dernière génération. Il est supérieur au Terminal High Altitude Area Defense américain. Alors là c'est clair et net. Hein. Euh, il a été annoncé depuis 2011 par Vladimir Poutine. Et donc là, vous voyez bien qu'en octobre 2017, le président Erdogan annonce être en discussion avec la Russie pour l'acquisition des S-500. Pour l'instant, Poutine euh, fait ce, que, ce qui est logique. Euh, fait une transition, il ne donne pas les S500, il donne les S400 Triomphe, mais euh, forcément vous, le, vous comprenez que soit euh, il a accepté pour les S500, mais que ça ne doit pas être révélé, parce qu'on ne va pas non plus euh, euh, dans une guerre donner euh, toutes ses cartes, soit euh, il quand même il reste quand même un peu méfiant et il a raison et donc il ne donne pas non plus euh, les s500 tout de suite il attend de voir euh, dans les années et les jours à venir euh, le comportement de erdogan et de la turquie ce qui ce qui est un bon comportement hein. mais euh, voilà vaut mieux comme on dit euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier vaut mieux être euh, méfiant et c'est une bonne stratégie. Donc on apprend depuis mai 2018 les systèmes ont commencé à être fabriqués en série. Après je vous passe les détails mais bon vous voyez c'est des vitesses phénoménales. Hein. Alors je vais dire à partir d'ici là Ah, bah, il atteint tout, hein, les avions, les drones. Regardez. Il élimine, éliminer, il est capable d'éliminer tout type de cibles, non seulement les avions et les drones, quelle que soit leur vitesse ou altitude, mais également des missiles à moyenne portée, des missiles de croisière hypersonique volant à plus de 5 fois la vitesse du son Et même les ogives des missiles intercontinentaux. Le S500 serait capable de détecter et de s'engager simultanément contre jusqu'à 10 cibles hypersoniques balistiques volant à une vitesse de 5 km secondes, hein, c'est pas heure, hein, ce qui est l'équivalent de 18 000 km h. Je vous ai dit que la vitesse du sang était 1234,8 km/h. 18 000 km/h. Jusqu'à une limite de 7 km/s. Hein. Ça veut dire au-delà de 18 000 km/h. C'est du Mac 20. Alors ça, là, on rentre dans la science-fiction, les amis, le Mac 20. Hein. Euh, L'altitude de la cible peut être aussi élevée. Euh, là on parle d'altitude de 180 à 200 km. Le principe de traitement séparé avait déjà été appliqué avec les S400 Triumph, mais les capacités du S500 sont encore plus poussées. Alors, il est prévu d'entrer en service en 2020. À mon avis, c'est ce qui aurait été avancé à Erdogan et à la Turquie pour les faire patienter, mais vous comprenez bien que si c'est que la Russie, en Russie, en tout cas pour l'armée russe, ce système est tout à fait opérationnel depuis longtemps. Euh, voilà. Alors. Je voulais vous faire écouter un petit bout euh, de l'intervention d'Erdogan, euh, mais là euh, ça fait une vidéo trop longue. Là déjà j'ai dépassé une heure de vidéo, je ne pensais pas. Euh, donc je vais avancer. Je pense que voilà, on a traité l'aspect militaire, c'est quand même extrêmement important. Hein. Je vous ai dit un mot sur l'aspect économique. La France a encore raté le coche. Donc on va pas. Alors, je vais euh, regarder. Hum... Ah, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que je pourrais pas voir les questions des autres euh, réseaux que Facebook. Bon, c'est pas grave. Je vais regarder donc Facebook. Est-ce que vous avez mis euh, trois fois une même question euh... Alors, euh, bonjour. De toute façon, dans tous les cas, bonjour. Donc, Isabelle... Euh... Je vais pas lire les, les noms de famille pour aller vite. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour Tony. Bonjour Natacha. Il faut surveiller... Il faut vérifier ton écran s'il est noir, Natacha. Bonjour Max. Bonjour Asia. Bonjour Antonio. Bonjour Muriel. Euh, là, à mon avis, c'est un troll. Hein, je vais vérifier. Bon, on va dire comme bonjour. Bonjour Xavier. Euh, Tony, euh, effectivement, il joue beaucoup, euh, il mélange euh, rationnel et, euh, et fiction, euh, euh, on va dire science et religieux. Donc, tu dis sur les 14 étoiles euh, qu'on voit sur des économistes, que je, cette carte que j'ai traitée plusieurs fois, euh, pour toi, l'étoile filante, c'est la planète X qui arrive pour mai. Et euh, elle a à voir avec les prédictions de la prophétie. Ce n'est pas impossible. Tout est possible. Et ce qui concorde donc avec euh, non seulement Nostradamus, mais en plus Leonardo da Vinci et plusieurs autres éléments. Que ce n'est pas euh, ce n'est pas impossible. Alors, Max va dans le même sens donc tu parles de la planète x en tout cas une date euh, à surveiller c'est le 2 mai c'est là où on va fêter les 500 ans euh, de leonardo da vinci alors là je vois pas de question parce que vous nous pensons pareil vous inquiétez pas mais euh, alors je vais continuer digne bonjour mais c'est bien, vous avez conversé entre vous. Euh, Joachim, bonjour. Magali, bonjour. Bon, bah, écoutez, ça tombe bien. Vous n'avez pas posé de questions. Et ce qui ne fait pas trois fois la même question. Bon, ben, bah, on fera... Ça, ça, ça viendra euh, petit à petit. Et puis là, comme je vous ai dit, je ne peux pas voir euh, les autres réseaux. VK, euh, YouTube et d'autres, je ne peux pas les voir. Alors, restons-en là pour... Pour la question je vous rappellerai tout le soir tous les soirs le principe de me poser une question et du coup c'est ce qui me permet euh, alors ça fait combien de temps allez moins d'une minute ça fait 57 secondes c'est ce qui vous me permet de euh, vous présenter euh, un, un, on va dire quelque chose de plus euh, de plus léger. De plus euh... sur le temps de l'humour, du vrai humour, pas l'humour à la à la Édouard filou Alors vais voir, voir il y a Elton John, le gars qui chante le roi lion. Et... Alors regardez, j'ai vu ça aujourd'hui. Alors je ne vais plus m'amuser à chercher qui m'a envoyé quoi. Voilà, vous m'envoyez me vous, vous beaucoup de choses. Je pense que vous le faites de bon cœur et bénévolement. Moi, je trie ce qui me plaît et je diffuse de bénévolement et de bon cœur. Euh, ça, ça sera sinon très compliqué pour moi de citer à chaque fois. Mais merci, merci pour toutes les personnes qui m'envoient des, euh, des, euh, des vidéos, des articles. Tout, tout partage de qualité. Tous les autres, j'ai arrêté de discuter. Dès que je vois passer des, des fake news avérées, hein, surtout des fake news qui tournent depuis 5 mois avec les sirènes d'alarme, je bloque, je discute même plus. Euh, voilà. Ça me fait en plus un téléphone qui sonne beaucoup moins, c'est génial. Allez, on regarde euh, donc cet artiste, cet humoriste qui a fait une séquence vraiment euh, bien faite, extrêmement drôle, extrêmement bien faite. Je viens de voir il y a Elton John, le gars qui chante le roi Lion. Et euh, Georges Clooney, le vendeur de café. Ils appellent au boycott des palaces les plus chers du monde. Parce que c'est des hôtels qui appartiennent aux sultans de Brunet. Et le gars veut tuer tous les gays, toutes les meufs qui avortent. Enfin bref, le gars est complètement fou. Donc j'ai envie de dire sur le principe, on est d'accord avec vous, les gars. Mais pour boycotter des palaces, il faudrait déjà qu'on puisse y aller. Eh hey, Georges, t'as la bourre mon pote, hein Moi ça fait 20 ans mon compte en banque qui boycotte déjà. Même mon père, il est grave engagé dans le boycott. Ah bah ben, quand j'étais petit, jamais il me disait on va en vacances au palace. Hein. Ouh là là. Il me disait on va aller en vacances au Formule 1, au camping, dans le jardin de la maison. Mais alors les palaces, jamais... Niet. On n'aime pas trop le confort, la politesse, euh, na. Du coup, vous inquiétez pas. On boycotte. Enfin, nous, on change rien, du coup, mais euh, ça boycotte quand même. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait la liste des trucs que ça me gêne pas de boycotter moi. Le caviar, non, ça me gêne pas. Le champagne, ça va. Les Ferrari, boycott violent. Côté Ferrari, violent. Le Chanel, on préfère le Nartin. Et les choux de Bruxelles. Ça, je l'ai ajouté parce que j'aime pas. C'est dégueulasse. Et c'est pour moi, perso. Moi, tout ce que j'espère, c'est que le mec qui tient les McDo, il fasse pas de conneries. Ah, si Brad Pitt ou DiCaprio, ils lance le boycott du McDo, là, je vais pas être content. <laughs> Allez, les riches, on lâche rien. Hein ils sont cons. Donc voilà, mes chers amis, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement drôle. Bien entendu, je vais vous montrer euh, l'artiste. Donc là, voilà, je suis sur sa page. Voici l'artiste, donc Nino Arial, que euh, personnellement je ne connaissais pas. Et ici, c'est sa page. Voilà. Alors. Voilà. Gilet jaunes, mes amis, vous l'avez compris. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on change de monde, hein, on va pas s'arrêter aux conneries que nous a servi euh, Macrancan ou euh, Edouard Filou ou tous les autres. Euh, je vous rappelle, juste pour rire, hein, euh, voici euh, d'après la franc-maçonnerie, euh, d'après les Merdias, d'après enfin, tout ce système pourri, euh, ce qu'il en ressort, les grandes lignes qui, qui ressortent des doléances des Français. Vous allez rire, mais si, si vous ne l'avez pas déjà fait, alors voilà. On va, bien, on va se marrer un peu. Euh, numéro 1, baisse des impôts pour les classes moyennes. Numéro 2, réindexation des petites pensions sur l'inflation. Numéro 3, suppression de la redevance TV. <laughs> euh, numéro 4, euh, reconnaissance du vote blanc. Ce qui est le vote blanc, cette magouille avec le vote blanc est, est une totale euh, manipulation. Euh, ne vote blanc, ne s'abstient ou ne va pas du tout voter, que pour moi, que les personnes, moi-même j'ai un moment dans ma vie, hein, j'ai défendu un petit peu le vote blanc, après j'ai évolué, j'ai réfléchi, euh, et là aujourd'hui je vous dis, il faut vraiment être euh, irresponsable, du type quelqu'un sous tutelle, ou alors un enfant euh, qui n'arrive pas à choisir lequel des gâteaux il, il, il veut ou lesquels il ne veut pas. Euh, pour ne pas voter, s'abstenir ou voter blanc, il faut toujours fonctionner par élimination parce que votre vote blanc euh, permettra d'élire euh, des frankenstein. là, il s'agit d'empêcher la carte de l'économiste dans laquelle on voit donc les les deux extrêmes droites français et euh, hollandais se faire euh, avoir du succès dans les européennes, se faire élire, avec la l'esclavagiste euh, extrême droite déguisée euh, Merkel, il faut absolument empêcher cette carte. Et donc, euh, euh, vous pouvez pas voter blanc, vous ne pouvez pas voter à Asselineau. Nono, vous pouvez pas voter Mélenchon, euh, Chien euh, vous pouvez pas voter tous ces gens-là euh, parce que vous ferez de la dispersion de voix et euh, vu que c'est pas une élection présidentielle, c'est pas euh, L'élection ne se fera pas entre Marine Le Pen et Macron-Cancan. Non, non. Ça sera celui qui arrive en première position obtiendra le plus de sièges, le plus de députés. Le deuxième, on obtiendra aussi. Et le troisième, un peu moins peut-être. C'est à la proportionnelle. Donc réfléchissez proportionnelle. Ne réfléchissez pas présidentielle. Donc, il faut absolument ne perdre aucun vote pour que euh, Marine Le Pen, euh, si possible, obtienne zéro député. Ça sera la meilleure manière de faire échouer euh, cette carte de, des économistes. Euh, donc, il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas 30 000. Hein. Il n'y en a qu'une c'est, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est de voter la mort dans l'âme. Euh, regardez. Je n'épargne jamais Macron Cancan, contre lequel je me suis présenté euh, aux législatives, contre une de ses candidates, mais pas que, contre lequel j'ai appelé à voter dans les deux tours présidentiels à Marine Le Pen dès le premier tour. C'était dans une stratégie, là aussi, une stratégie justement de création de révolution. Aujourd'hui, euh, on a les Gilets jaunes. Euh, il faut absolument donc continuer à être stratège et à me suivre si vous le voulez bien. Et là, pour le coup, il faut voter et ne perdre aucun vote à contre cœur pour Emmanuel macron et la République en panne. Alors, ici, juste une remarque de... bien sûr que c'est du foutage de gueule tout ça, bien sûr que. Euh, je je n'ai cessé d'entendre autour de moi plein de sujets, euh, que ce soit les sujets que j'ai portés moi-même depuis le début, qui commencent enfin à être connus de certaines personnes, qui sont la, la, le désastre de la franc-maçonnerie, qui sont euh, euh, tout ce qui est euh, école euh, républicaine pourrie par l'idéologie, des idéologies néfastes. L'abaissement de l'âge du consentement sexuel, la pédophilie, la pédocriminalité qui n'est pas euh, qui n'est pas dénoncée, qui n'est pas punie, euh, qui n'est pas condamnée, euh, voilà. Enfin, il y a tellement de sujets, mais vous, vous aussi, vous avez défendu certainement des sujets. Non, on les voit pas, hein, on les voit pas. Alors y compris si vous voulez euh, voir la perversité y compris les gilets jaunes médiatisés du système hein, ceux que moi je vous dis c'est des ils sont pilotés par le système qui défendent des conneries hein, comme la destitution de Macron ou le Ric euh, c'est pas c'est vraiment pas comme ça qu'il faut procéder hein. euh, ou encore l'augmentation la, la, du pouvoir d'achat mais ça, encore une fois, euh, ça, ça, c'est abstrait. Il faut donner clairement un programme. Moi, je vous le dis clairement, c'est un revenu universel pour toutes et tous. Hein, ce qui ne coûtera pas un euro à l'État, qui sera formidable pour absolument tout le monde. Hein, que vous soyez pauvre, riche, euh, handicapé, valide, femme, homme, père, mère, peu importe. Là, c effectivement, ça résoudrait plein de problèmes, y compris des pensions euh, non versées. Euh, non, non, les gilets jaunes médiatisés, les faux prophètes vont vous parler plutôt de choses abstraites comme l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais même ça, même ça, même leur propre poulain, hein, ils n'ont pas retenu euh, cette proposition. Donc c'est pour vous dire. Alors, eh bien, euh, je pense que on a tout dit, les amis. Euh, il me reste qu'à vous saluer, vous rappeler s'il vous plaît tous les jours, faites-le pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, vos petits- enfants, pour euh, les générations qu'on va laisser sur la planète derrière nous, euh, mettez un gilet jaune à 13h, peu importe là où vous vous trouverez tous les jours à 13h pendant une minute, vous contaminerez les autres par le bien. Soyez créateur, n'imitez pas uniquement dans les mauvais exemples, n'imitez pas, euh, pas le mal, imitez le bien et faites-le imiter. Vous savez, lorsque j'étais euh, dans un centre commercial euh, ce samedi en gilet jaune et que j'ai essayé de prendre une photo, pour, forcément, je n'ai pas montré le visage des gens qui ne sont pas là pour se faire emmerder, à se faire prendre pour, en photo et. Et que ce soit par moi, par exemple, en disant, regardez, ils n'ont pas mis de gilet jaune, c'était pas le but de mon message, c'est pour ça que j'ai essayé de me mettre dans un endroit où on ne voit pas de visage, on ne peut pas reconnaître, mais il était plein, le centre commercial, j'étais le seul en gilet jaune, et j'ai vu beaucoup de regards se poser sur moi, me suivre, personne n'a été jusqu'à m'aborder, mais je pense qu'il y a eu un effet qui est, qui, 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 que j'ai obtenu, je suis absolument certain, je parie, je ne pourrai jamais avoir la réponse, hein, mais je, je parie que sur tout le centre commercial, il y a au moins une personne qui, euh, qui le fera la prochaine fois. Je parie que ce, ce sera le cas, peut-être ce sera une jeune ou un jeune, ou, allez savoir, je parie que ce sera le cas. Donc voilà, faites de même, faites de même, initiez avec moi, aidez-moi. Euh, là je vous ai parlé des, euh, parlé des samedis jaunes où il faut passer toute la journée en gilet jaune, y compris lorsque vous conduisez dans votre voiture, qu'est-ce que ça vous coûte de conduire en gilet jaune. Euh, il faut aussi euh, mettre votre gilet jaune pendant une minute à 13 heures tous les jours, peu importe l'endroit où vous êtes, ce serait génial. C'est encore mieux si vous êtes dans les transports en commun, comme ça vous êtes bien visible, euh, tout le monde va vous voir sortir le gilet jaune, commencer à le mettre, ils vont tous s'interroger. Euh, et aussi euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ça c'est je vais dire c'est primordial ça vous coûte rien de mettre un gilet jaune plié devant euh, visible euh, sur le pare-brise avant hein. quand les voitures se croisent comme ça sur les routes euh, on se voit hein. moi ça me fait plaisir à chaque fois que je croise quelqu'un euh, qui a mis son gilet jaune et je, je, je suis certain que euh, des, des fois j'ai des appels de phare, mais je suis certain que d'autres ça leur fait euh, ça les encourage mais ça leur fait aussi plaisir faites-le ça ne coûte rien paris vit en vase clos hein. euh, on voit beaucoup de gilets jaunes un peu partout euh, en france euh, beaucoup moins euh, en revanche on en voit beaucoup moins euh, sur paris donc euh, les parisiens mettaient des gilets jaunes euh, visible par le par brise sur euh, au-dessus de la boîte, euh, boîte à gants euh, sur les éléments euh, avant, mettez-le visible qu'on puisse le voir quand on vous croise. Euh, Faites-le, je vous en supplie. Et vous, vous participerez à votre façon à, à faire cette révolution, cette révolution que je vous rappelle, en tout cas en ce qui me concerne les gilets jaunes que je porte ont pour objectif et ont pour vocation, si on devait, on devait simplifier au plus simple, changer de monde. Voilà. On peut pas, je ne peux pas plus simplifier mieux que ça. Changer de monde. Ce monde doit changer. Voilà, tout simplement. Et donc c'est sans frontières, c'est tous les pays. On peut s'accorder sur ce jaune, sur ce gilet jaune, et euh, on peut changer le monde ensemble, parce que vous comprenez bien qu'aucune révolution ne marchera si elle est euh, uniquement euh, cloisonnée dans un seul pays. Ce pays se fera trucider par les autres. C'est ce qui est en train, c'est ce qui risque d'arriver à l'Angleterre. Son peuple risque d'être puni sévèrement par la finance internationale pour avoir osé, voulu sortir du partenariat avec l'Union européenne. C'est pourquoi j'avais fait un poste, c'est pourquoi j'appelle à conditionner le Brexit par le Frexit. Ce qui, à mon avis, je l'espère, si vous portez ce message avec moi, euh, calmera un peu euh, les manipulateurs, euh, les élites françaises qui nous tiennent, la franc-maçonnerie qui nous tient. Il euh, n'y a pas que en France, mais aussi l'Allemagne, qui euh, n'attendent qu'une chose, c'est de récupérer justement, c'est déjà fait en partie, c'est de récupérer la manne, euh, la manne financière, la manne des des entreprises de la city euh, la manne financière qui résultera euh, de euh, on va dire de la diminution d'influence de la euh, place financière de la bourse euh, anglaise de la de la city de Londres euh, voilà c'est euh, François Grolande se frottait les mains depuis très très longtemps euh, en comptant sur le break, Brexit. Donc, Dopo, il a fini son mandat, il n'a pas inversé sa courbe du, du chômage. Mais euh, François Grolande ne s'est pas présenté pour, justement, euh, continuer à manipuler. Il a présenté à sa place euh, le bébé Macron-Camp. Donc, c'est la continuité du règne de François Grolande qui... Est, Mise encore Paris, encore jusqu'à la fin, comme un joueur de casino qui perd encore et encore. Il mise tout sur le, le sur le Brexit. Voilà. Qui donnera un souffle mais malsain, immoral, à, effectivement à la place de Paris, et euh, par diffusion à l'économie française. Nous ne pouvons accepter euh, cette cette immoralité-là, nous ne pouvons l'accepter. Donc par solidarité pour, avec le peuple anglais, heureusement que Theresa met cette reine, cette dame de fer. J'espère qu'elle qu joue pas encore une fois pour le système en retenant jusqu'à ce qu'elle obtienne le feu vert le, 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 le Brexit. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir, elle fait des mains et des pieds pour empêcher euh, le Brexit. Sans un super accord pour l'Angleterre. Et donc, voilà une dame de fer, voilà un exemple féminin grandiose. Euh, voilà une héroïne femme, voilà une superwoman. Voilà. Euh, donc, il faut euh, soutenir le peuple anglais. Euh, en le soutenant, nous nous soutenons nous-mêmes quelque part. Donc, pas de Brexit. Nous devons refuser euh, le Brexit et le conditionner au Frexit. Soit on sort tous ensemble, les autres pays devront en faire de même, soit euh, on leur donne ce qu'ils veulent comme accord. Euh, il faut que euh, la France euh, baisse la pression sur. L'Angleterre et arrête de lui faire ce type de chantage, tout simplement. Voilà, les amis, euh, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne nuit. Les derniers arrivés que je n'ai pas salués euh, très rapidement, donc euh, 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 j'en étais où Alors, Bilbil, euh, bonjour, Francis, bonjour. Euh... Non, Magali, je t'ai vu, Asia, Joachim, euh... Maxime Malfoy, je te bloque pas, mais tu dis n'importe quoi. Donc ne recommence pas. Euh... Je pense que j'ai vu tout le monde. Voilà. Allez, bonne nuit les amis, et euh, on se retrouve comme d'habitude donc demain euh, pour un live. Encore une fois, non seulement pour vous informer gratuitement bénévolement, mais aussi pour ma sécurité. Si vous si vous voyez que euh, j'ai loupé un seul jour sans donner un signe de vie au travers d'un live, uniquement des lives, alors euh, cherchez après moi. C'est déjà arrivé, vous le savez, j'ai été enfermé pendant presque une semaine. Euh, D'ailleurs, là, ils m'ont envoyé la facture, ils peuvent toujours se gratter. <laughs> Bonne nuit, les amis!